pour la vidéo. Alors, déjà, juste un truc, c'est ce qu'on a reçu à Noël. Donc en fait mon père, eh ben, il s'est acheté ça, donc c'est un petit peu plus pour notre, pour la famille, pour notre télé. Donc c'est l'Apple TV, voilà, 4K, 64Go, parce qu'en fait on a acheté à Manor, et puis en fait il y avait une réduction, et ça coûtait vraiment le même prix qu'une 32Go. Pour le même prix, en fait, on avait une 64, donc on a pris une 64. Donc je le boxe tout de suite, donc il l'a déjà ouvert parce que bah c'était hier Noël. Donc je vais vous amener là et comme ça vous pourrez voir tout ça. Donc la boîte se présente comme ça. Voilà. Donc, derrière, devant, sur les côtés, patate. Donc un beau packaging. On voit bien que c'est Apple. Donc on l'ouvre. Donc d'abord on va commencer par la petite. Déjà on va tout sortir. Donc d'abord on va commencer par la prise secteur. Donc là c'est la prise secteur de 2 mètres, je dirais, ouais, 2 mètres. Donc c'est assez 2 mètres, parce que c'est assez long, franchement, heureusement. Donc là, on a le petit câble Lightning. Tac. Donc c'est un câble de 1 mètre, et heureusement, parce que moi j'en ai presque plus des câbles. Hein. Le mien a claqué il y a quelques jours. Donc maintenant, on va déballer la télécommande. Moi je trouve qu'ils sont quand même magnifiques les produits Apple. Je pense que c'est les plus beaux produits, mais je trouve que le design est bien fait. Après j'ai pas exemple, sur certains trucs ils se sont quand même bien plantés. Je n'ai pas d'idée en tête, mais je pense qu'ils sont, ils se sont sûrement plantés pour certains trucs. Aïe. Ouais, c'est quand même assez lourd hein. Donc là il y a les petites prises d'air. Je sais pas si on va bien voir. Donc là il y a les prises d'air, là il y a la petite pomme. Il y a encore un autocollant par deux. Ah oui. Donc vous êtes en train de me dire que là. Ok. Je vous montre pas bien. Ah, il y a déjà un autocollant tout le tour. Ah, c'est trop joli. Mais moi je trouve vraiment que les produits Apple ils sont vraiment jolis. Donc là il y a une prise internet, HDMI et la prise pour ça. Donc ça si on va le recharger, je pense qu'il faut juste prendre ça. Tac. On y branche. On y branche un truc USB. Il n'y a rien de spécial. Voilà. Donc là, elle est branchée là-bas. Il n'y a rien de spécial. Donc, alors. Donc, je vous ai un petit peu présenté ça. Donc, nous, c'est une 64Go en Ultra HD. Il me semble que maintenant, bah, on ne trouve plus que des Ultra HD. Donc, là, déjà, on peut mettre, régler le volume. Donc, lui, c'est moi. Là, c'est pour, je pense, dire, par exemple, dit Siri par exemple, je sais pas à quel temps fait-il, non peut-être pas, peut-être pas, non mais je pense qu'en fait par exemple mes OCS par exemple, on appuie peut-être sur ça et puis voilà. Ça c'est pour play du film. Ça c'est menu, donc on revient. Ça je sais pas. Donc ça c'est le pavé tactile pour ouais je sais pas si on peut faire comme ça, mais en tout cas faut, c'est vraiment le pavé tactile, c'est cool. Et ben voilà, ça je vous, c'est une galère les produits Apple. Dès qu'on met notre doigt. Alors je pense qu'il ne faut pas avoir de produits Apple si on veut être un criminel. Parce que là on reconnaît trop facilement les empreintes. C'est sérieux. Oh. Et ça qui est malheureux avec leurs produits Apple, c'est qu'ils font tout en plastique qui est super joli. Puis 10 minutes après, c'est déjà dégueulasse. Donc, les petits plastiques. On les met. Ah, bonne question. On les met par terre. Donc on a les petites notices, on a la petite boîte que je vais garder pour la mettre en fond parce que j'ai d'autres trucs Apple qui sont arrivés cette année sous le sapin. Donc ça c'était l'Apple TV que je vous ai présenté. Donc il faut aussi un câble HDMI, mais on a acheté ça mais je sais pas où il est. Voilà. Donc c'est un câble HDMI pour la 4K, donc ça va. Donc, alors, franchement, je trouve que, je pense que la prochaine Apple TV, déjà, elle sera en 8K. Non, je regarde, je pense que ça servira presque à rien. Mais en fait, ce qui serait bien, je pense qu'ils vont sûrement mettre ça sur la prochaine. En fait, tu poses la télécommande et puis elle se recharge en induction. Je pense qu'ils vont faire ça pour la prochaine. Et je pense que pour leur prochain truc, il y aura sûrement l'induction partout. Parce qu'en fait, là, t'as même pas besoin de le brancher, tu fais juste ça, ça se recharge, puis voilà. Après, je sais pas s'il y a un truc pour mettre à combien de pourcents c'est.
Mais je pense que oui. Ouais. Voilà, donc là-dedans, il y a tout ça. Donc c'est déjà assez. Donc on va se retrouver juste après. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker, à commenter, à partager. Ça me ferait super plaisir. À vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche juste là maintenant et qui est aussi en description. Donc c'était l'Apple TV, donc voilà. Donc ben salut.